Bon après-midi, dans une nouvelle salle, pour faciliter l'échange avec la presse. Et je veux profiter de l'occasion pour vous remercier pour la collaboration qu'on a eue ces dernières semaines, afin d'informer les personnes, le public. Je sais que la situation est loin d'avoir été adéquate, mais justifiée, étant donné les mesures. Au cours des deux derniers mois, on a connu une situation exceptionnelle à Luxembourg et notre quotidien a été dominé par la lutte contre le coronavirus. Non seulement à Luxembourg, mais aussi au niveau mondial, la situation a été exceptionnelle. Elle l'est toujours et la situation le restera encore. Et ça a suscité pas mal de réactions. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que notre pays a bien géré la situation. Ça veut dire qu'on a réussi ensemble à éviter le pire. On a évité le pire, ça veut dire une situation où on n'aurait pas pu gérer la situation. On aurait eu une saturation dans les lits, dans les soins intensifs. Et on a travaillé ensemble pour y arriver. Mais ne pensez pas que nous avons été ménagés. Bien au contraire, à la mi-mars, le nombre des personnes infectées a grimpé rapidement pour arriver à 200 nouvelles infections par jour. C'était il y a 2 mois seulement, alors qu'on avait une capacité bien inférieure à celle que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons plus que 3800 personnes testées positives pour un test d'au-delà de 48 000. Aujourd'hui, ne l'oublions pas, et je pense aux familles, pratiquement une centaine de personnes sont décédées du coronavirus. Pour le moment, le nombre des nouvelles infections est relativement bas. Et le 20 avril, nous avons commencé, comme vous le savez, d'entamer la première phase d'un déconfinement. Donc nous avons entamé petit à petit un mouvement vers une vie plus normale. Et aujourd'hui, nous sommes à 15 jours après la première étape du déconfinement. Nous avons pris ce temps pour pouvoir effectuer des analyses, pour avoir des échanges avec des spécialistes, pour calculer les différents modèles. Et nous avons été en mesure de constater qu'il n'y a pas de montée inquiétante des chiffres des personnes nouvellement infectées au cours des deux semaines passées. Donc, vous savez que la période d'infection est de 8 à 2 semaines. Donc, on a attendu 2 jours pour pouvoir prendre position. Donc, on a 22 personnes en soins intensifs. C'est pratiquement la moitié du chiffre de départ. C'était 38. Ça veut dire que la situation actuelle ici à Luxembourg, on la maîtrise et elle est plutôt reposante par rapport à la situation telle qu'elle était il y a quelques semaines. Comme déjà dit, le gouvernement a eu des équipes, des groupes de travaux pour faire les analyses et pour effectuer des modélisations ensemble avec la recherche, afin qu'en tant que conseil du gouvernement, on puisse prendre des décisions, afin de prendre les décisions à venir. Parce qu'il y a une modélisation de ce déroulement de la pandémie, donc il faut analyser ça tout le temps. Avec ces résultats, il nous est donc possible de déclencher une nouvelle phase avec effet au 11 mai, d'ici une semaine alors. Donc en amont, si on parle d'une nouvelle phase, de nouvelles mesures, ça veut dire qu'il faut continuer à rester discipliné. Ce n'est pas comme si demain, il n'y aurait plus rien. Notre quotidien va rester dans les semaines, dans les jours qui viennent, un quotidien empreint de virus. Il faut apprendre à vivre avec ce virus
tel qu'on le fait déjà maintenant. Et si on arrive à ce genre de, à ce chiffre, c'est parce qu'il y a eu un effort collectif de tout un chacun. Je sais que ça n'a pas été facile, mais si on n'avait pas été discipliné, on n'aurait pas été aujourd'hui devant vous pour annoncer de nouvelles mesures. On n'aurait pas les chiffres plus reposants qu'on a aujourd'hui. On a eu des expériences positives au cours des dernières semaines. On a vu que les gestes barrières, le fait de ne pas avoir trop de contact étroit, le port de la protection buccale, ça, donc tout le comportement a aidé à avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Comme déjà dit, et je vais le développer dans ma conclusion, ici, il s'agit de chacun de prendre sa propre responsabilité. Chacun est une partie de la solution. Et si nous trouvons devant vous aujourd'hui, c'est parce que chacun a été conscient de cette partie de la responsabilité, a été part soi-même de ce résultat, donc de meilleurs résultats qu'estimé. Il s'agit aussi d'une solidarité l'un par rapport à l'autre. On a vu cette solidarité. Les gens font attention les uns aux autres, surtout aux plus vulnérables. Et on peut être fier de toutes ces réactions dont a fait preuve la population ici au Luxembourg au cours des dernières semaines. Les prochains grands axes de cette nouvelle phase, comme annoncé, est que le principe du confinement général est levé. Mais cela veut dire que tout ne retourne pas à la normale. Mais on peut de nouveau avoir des contacts sociaux avec d'autres personnes. Ça veut dire qu'il est possible d'avoir des visites. Vous savez que c'était interdit. Maintenant, on peut avoir des visites limitées à 7 personnes. Et dehors, on peut de nouveau être ensemble, toujours avec des gestes barrières, donc 2 mètres de distance. Et aujourd'hui, nous avons une interdiction de manifestation. Donc, les personnes qui veulent manifester, donc c'est limité également. Donc maintenant, les rassemblements peuvent être limités à 20 personnes, mais également avec la distanciation sociale qui est très importante. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, ces contacts sociaux ont une grande importance. Et nous avons dit pendant un certain temps, vous ne pouvez voir personne, vous ne pouvez pas avoir des visites, pas rendre visite. Donc cette manière de vie sociale, maintenant on peut de nouveau avoir du contact avec les membres de sa famille et de ses amis. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut organiser une soirée, ça veut dire qu'on a des contacts sociaux, on peut avoir des contacts sociaux avec des gens qui nous manquent, limités à 6 personnes, avec comme but que les gens ne se mélangent les uns aux autres et qu'on ait de nouveau des contacts sociaux qui propageraient le virus si jamais quelqu'un l'attrapait. Mais je sais combien c'est difficile de vivre et de ne pouvoir voir personne d'autre que ceux qui vivent à la maison. Quant au sport à l'extérieur, ce sera de nouveau possible. Pas de sport par équipe, pas de type de sport où on a du contact là avec l'autre, où on contacte une personne, chacun l'un l'autre. Donc cette semaine, on va donner plus de précisions parce qu'on va prendre des mesures concernant les vestiaires. Par exemple, les vestiaires vont rester fermés. Mais pour les types du sport, donc par exemple les sports en plein air, donc vous allez avoir une liste, golf, équitation, tout ce qu'on peut faire à l'extérieur. Mais vous savez qu'un certain nombre d'équipements appartiennent aux communes, par exemple l'athlétisme. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un échange avec les communes à ce sujet. Les commerces vont rouvrir à partir du 11 mai. Il y aura bien entendu des exceptions. Pour ces exceptions, il y aura une liste précise également. Ce sont les indoor fitness, donc les yoga, bowling, e-gaming, center, casino, tous les endroits qu'on peut voir comme un commerce où les gens se rassemblent. Mais qui ne tombe pas sous la dénomination de commerce. Pour le commerce, il y aura également de nouveaux standards qu'il faut respecter.
hier et dans les heures à venir. Ceci sera donc convenu avec le secteur et le ministre responsable. Il y aura donc une liste, comme c'est le cas pour le sport, il y aura une liste qui sera publié cette année sur les commerces qui ne peuvent pas ouvrir. Quant aux soins à la personne, ça va aussi ouvrir le 11. Les salons de coiffure, les esthéticiennes, et uniquement sur rendez-vous pour éviter qu'il y ait une file d'attente qui se forme aux différents endroits. Donc c'est une mesure qui va être mise en place le 11. Les institutions culturelles vont offrir s'il y a peu de public et peu de rassemblements. Par exemple, les bibliothèques ouvertes, les bibliothèques pourront offrir le CNA, les archives nationales, les musées. Donc, mais les directions vont devoir trouver un équilibre adéquat entre le nombre de personnes qui peuvent être ensemble dans un endroit, par exemple, pour étudier dans une bibliothèque, etc. Donc la distanciation sociale est toujours importante. Pour les événements culturels comme le cinéma drive-in, est possible. Donc, si on se retrouve sur un parking, chacun dans sa voiture, c'est possible de regarder donc un film. Donc, j'ai énuméré un certain nombre de secteurs. Je n'ai pas parlé de l'ORESCA. Et je sais combien il est dur maintenant pour l'ORESCA. Cette semaine, nous travaillons toujours à élaborer des mesures pour aider l'ORESCA. Nous sommes bien conscients qu'il est difficile pour ce secteur pour le moment. Nous avons fait l'analyse que si il y a des résultats positifs dans les semaines à venir, il y aurait la possibilité pour la restauration à partir du 1er juin d'envisager une réouverture si les chiffres sont positifs. Cela sera lié à de nouvelles conditions, bien sûr. Aujourd'hui, déjà, nous avons parlé aux représentations de différentes communes parce que, par exemple, dans les terrasses, il y a une possibilité peut-être d'avoir moins de gens à l'intérieur d'un restaurant, mais plus à la terrasse. Donc, ce sont des points qu'on va clarifier dans les jours à venir. Mais au cas où les conditions sont données, alors il y aura cette possibilité pour qu'au 1er juin, les restaurants pourront ouvrir. Pour ce qui est pour les cafés, il faut faire l'analyse. Et bon, pour les discothèques, je ne peux encore rien dire. C'est prématuré. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, nous l'avons décidé ce matin, d'annoncer que chaque personne au-delà de 16 ans dans un ménage aura 50 masques qu'on leur enverra. Donc, il est important pour pouvoir respecter les gestes barrières. Nous savons que les jeunes en dessous de 16 ans donc, vous savez, pour ces masques chirurgicaux, nous avons un problème qu'ils sont souvent trop grands pour les jeunes. Donc, à partir de 16 ans, donc, il y a 50 masques par habitant. Donc, nous regardons comment faire la distribution. À côté des habitants ici à Luxembourg, donc 50 masques par personne, ce sera la même chose pour les frontaliers des trois pays avoisinants qui seront à Luxembourg pour le boulot. Donc, nous organisons la distribution avec l'armée parce que c'est important que les personnes qui travaillent ici au Grand-Duché aient la même possibilité d'être protégées. Donc, en conclusion, la majorité de ce succès est une responsabilité propre. C'est de la responsabilité de la solidarité. Si on vous dit que ce n'est plus la règle de rester à la maison, ça ne veut pas dire qu'on se mette à refaire tout comme avant, recevoir beaucoup de personnes. Ce serait faux parce que là, on risquerait d'avoir des mauvais chiffres qui nous obligeraient encore après de tirer le frein à main. Donc, je ne le souhaite à personne. Si aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être devant vous et de dire qu'on peut aller plus loin que ce qu'on avait prévu, c'est parce qu'on a réussi à se tenir aux gestes barrières et de faire un effort commun. Donc, il est de la responsabilité de tout un chacun d'avoir cette responsabilité. Donc, je l'ai dit il y a 2 mois déjà, une partie de la solution, c'est de se tenir aux règles.
Et si on est malade, alors on a une possibilité potentielle de propager le virus. Et à ce moment-là, si on respecte les gestes barrières, si on prend la responsabilité en sachant qu'on la porte, donc alors on contribue aussi en partie à la réponse. Donc même si on vit d'une manière un petit peu plus normale désormais, il faut savoir, chacun dans sa tête, que c'est toujours pas la normalité. Je passe la parole à Madame Lennert. Bon après-midi. Le corona, ça fait pas seulement des semaines, ça fait déjà des mois. Et on n'est pas encore sorti, nous sommes en plein milieu. Et la seule chose qui a changé, c'est que pour le moment, nous sommes prêts à gérer la pandémie. Elle a demandé 100 tribus, très haut, une centaine de décès, c'est pas mal. Nous y arrivons presque. Et le 29 février, je peux vous dire, je n'aurais jamais imaginé qu'après quelques semaines, on atteindrait ce chiffre. Même si on aurait pu se l'imaginer, mais on l'a nié. Le tribut qui est demandé, ce n'est pas seulement au niveau de la santé. Nous avons des personnes qui n'ont pas survécu au corona. D'autres personnes qui ont été malades pendant des semaines. C'est très dur comme maladie. J'ai parlé avec des gens qui l'ont rattrapé. C'est pas quelque chose qu'on souhaite à quelqu'un d'autre. Le corona a aussi demandé son tribut au niveau social. Les enfants ne sont plus allés à l'école, donc on ne peut pas l'imaginer. On n'aurait pas pu l'imaginer auparavant. Le droit à l'école est essentiel. La culture s'est arrêtée quasiment, la vie associative, et on ne parle pas de l'économie. Il est un fait aujourd'hui que ce n'est pas terminé. Et il faut le tenir devant les yeux. Ce n'est pas terminé, on est en plein dedans. Point positif, nous avons bien surmonté la première étape de la crise. Si on regarde le nombre de personnes qui n'ont pas survécu dans ce pays, ce sont des chiffres qui sont relativement positifs. Statistiquement, nous nous trouvons dans la normalité. Il y a des pays qui ne peuvent pas le prétendre. Si on regarde les Pays-Bas, la Suède, où il y a une surmortalité chez les personnes âgées qui est très visible sur les courbes, ce n'est pas le cas ici. On reste dans la normalité. Donc, on en a bien travaillé ici. À aucun moment n'avons-nous été surmenés. Donc, nos mesures drastiques ont été les mesures correctes pour bien surmonter la première phase. Ces temps-ci nous ont donné la possibilité de nous préparer. Au départ, on ne l'était pas. On était pris au dépourvu avec le corona. Maintenant, c'est différent. Nous avons appris à connaître le virus. Nous avons tout mis en place. Nous savons comment faire si jamais ça éclaterait. On a appris à le connaître. Nous comprenons mieux le déroulement. Nous avons des données sur lesquelles nous poser. Nous avons surmonté des goulots d'étranglement. Au début, vous savez, nous avions ce goulot au niveau du matériel de protection. Aujourd'hui, comme on peut dire qu'on va donner des masques, c'est parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a encore une bonne livraison de masques qui est arrivée aujourd'hui. Nous avons un certain nombre d'étapes derrière nous, même si au niveau du matériel de protection, ce n'est pas comme avant. Mais les choses fonctionnent, on a les livraisons, on a des lits, on a des helplines où on peut appeler si on a des soucis. Et avant tout, on a vu qu'on peut être solidaire. On a vu un élan de bénévolat incroyable. Les gens se sont retrouvés à différents endroits, dans les hôpitaux. Il y a des gens de différents services qui sont allés travailler dans d'autres départements. Nous avons le centre de soins avancés où il y a une moitié de bénévoles qui travaillent. On a vu que dans la société, les gens se sont entraidés. Ça s'est mis en place rapidement et c'était vraiment positif. C'est pour ça que la situation est positive. Et on est là où on est aujourd'hui grâce aux mesures que nous avons prises, aux efforts que nous avons faits. On a réussi à faire descendre les chiffres et on est là dans un niveau où on peut commencer une deuxième phase. C'est notre ambition de continuer de cette même manière. Si on avait réussi jusqu'à maintenant, je suis confiante qu'on puisse le faire pour la phase à venir. On connaît mieux le virus grâce aux données dont nous disposons, grâce à la littérature dans le domaine des recherches. Et nous le savons par notre propre expérience que dans le monde du travail,
Le risque, donc on a bien les choses en main pour éviter une propagation. On respecte les distances. Donc le risque est relativement bas que ça va foirer. Donc d'un autre côté, là où il y a un risque élevé, c'est du côté social. Nos contacts journaliers, quand on est ensemble, là, le risque est élevé. Avec ces données-là, on peut donc monter un équilibre, parce qu'on a besoin d'un équilibre, parce qu'on a besoin maintenant de faire fonctionner l'économie, parce que sans ça, rien ne fonctionne. Et d'un autre côté, on doit aussi voir comment notre vie sociale va pouvoir redémarrer tout en tenant compte d'un certain nombre de conditions. Nous connaissons le risque, c'est un avantage. Si on sait où se trouve le risque, on sait où commencer pour mettre la discipline nécessaire pour y arriver. Notre quotidien va devenir un nouveau quotidien pendant longtemps. Qu'est-ce que c'est le nouveau quotidien? De nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes. Et quelque part, il est bien qu'on avait ces quelques semaines pour bien pouvoir l'assimiler. Entre-temps, ce n'est plus tellement inhabituel de se balader avec un masque. On ne le savait pas au départ. Aujourd'hui, la protection buccale est déjà quelque part assimilée. On sait psychologiquement que quelque chose n'est pas normal. Il faut faire attention. C'est un bon aide-mémoire. Donc, de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes, aussi de nouvelles restrictions que nous ne connaissions pas. Qui aurait pu savoir qu'on soit mis en isolement, à quarantaine? Ce sont des termes de l'histoire et c'est devenu partie du quotidien. C'est très important tant que nous ne maîtrisons pas le virus, et ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de vaccin, pas de médicaments contre. Donc, nous pouvons juste supposer qu'il ne va pas continuer. Et pour ça, il y a deux vis sur lesquelles on peut tourner. Donc, d'une part, il faut garder sa distance. Ainsi, on a moins de risques de propager le virus. Donc, encore une fois, les gestes barrières chaque jour pour tout ce qu'on fait. Et à côté de cela, ce sont les porteurs du virus. Il faut les isoler tant que possible. Donc, il faut tester avec tous les moyens dont nous disposons pour le faire. Pour que, si on identifie des porteurs, il faut les isoler chez eux. La même chose que pour les personnes qui sont en contact étroit. C'est le seul moyen pour endiguer la propagation. Il nous faut une formule pour atteindre une normalité maximale et des restrictions minimales. Des restrictions qui font du sens, que l'on peut justifier, contrôler, et également une prévention très forte. Je veux vous dire, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas de vaccin. Pas de vaccin contre l'alcool au volant, pas de vaccin pour la consommation de drogue. C'est pour ça que la prévention est importante, tant et qu'on va rappeler constamment quel est le risque de la pandémie et quelle est l'importance des gestes barrières, de la discipline, de la solidarité autour de la situation. Il n'y aura pas de sécurité à 100%, mais celle-là n'existe pas dans d'autres secteurs de la vie. Il faut savoir vivre avec et ensemble, il faut garder le risque aussi bas que possible. Donc, il faut accepter le risque et faire des efforts. Plus particulièrement, on va insister, on va faire des mesures pour des gens qui sont vulnérables. Il y a également une évolution à ce niveau. Avec la direction de la santé, nous travaillons constamment avec les ministères, avec les experts. Et dès qu'il y a de nouvelles expériences, on donnera de nouvelles recommandations. Donc plus on en sait, plus on peut informer. Qu'est-ce que c'est une personne vulnérable? Une personne qui est dans une catégorie statistique où on est plus susceptible d'avoir des conséquences graves. Mais ce n'est qu'un indicateur. Ce qu'on fait, c'est aussi donner des recommandations, aider, répondre aux questions, aider les gens dans leur situation spécifique pour qu'ils se débrouillent au mieux et qu'ils se protègent au mieux. Tous ensemble, nous pouvons y arriver, éviter beaucoup de misère. Et ce n'est que tous ensemble qu'on y arrivera. Donc mon appel,
même si on peut se bouger plus, se voir. Donc la prudence est de rigueur. Et si ce n'est pas absolument nécessaire d'inviter quelqu'un, ça peut aller sans. On a dû limiter les choses, mais j'insiste de mon côté, faites-le de manière minimale. Il y a toujours un risque qui existe. Les statistiques nous le disent, c'est les contacts sociaux qui sont dangereux. Donc si on se relâche, vous savez, c'est différent que dans les qu'au travail. Et là, on a tendance à oublier les gestes barrières. Et c'est justement ce risque qu'on doit maintenir si bas que possible. Faites ce que vous avez envie de faire, mais tenez en tête qu'il faut garder sa distance pour ne pas infecter l'autre, pas contaminer les autres. Et c'est une méthode simple, mais qui va fonctionner. Possibilité de poser des questions maintenant. Bonjour, j'aimerais savoir ce que ça veut dire, les mesures que vous avez prises pour accompagner l'économie. Qu'est-ce que ça signifie pour les mesures, le chômage partiel, toutes les autres mesures que l'État a prises, à partir de quand elles s'arrêteront? Ce matin, on en a discuté. Il y a des réunions qui ont lieu maintenant pour que mercredi, quand on aura le Conseil de gouvernement, on puisse présenter des propositions sur l'accompagnement du chômage partiel, que ce soit une durée transitoire ou par aide directe, par aide ciblée, etc. Ce sont des points qui sont en discussion. Et on en discute pour le moment. Je ne l'ai pas caché la dernière fois. Nous avons un groupe de travail avec M. Kersh, tous les différents ministres. Ils le préparent pour le moment pour que mercredi, on puisse voir plus clair à ce niveau. On a parlé de nouveaux standards, commerce qui vont ouvrir. La question va dans cette direction. Quels seront précisément ces nouveaux standards? Vous pouvez préciser quelle sera la situation chez les coiffeurs. Ils peuvent travailler moins. Et pour les commerces, les magasins, ils ne peuvent pas laisser rentrer beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a des précisions à ce niveau? On va donner plus de détails mercredi. Ce sera autour de la distanciation sociale. Donc le leitmotiv ici, c'est comment faire pour éviter que les gens se contaminent les uns les autres. Et sur cette base, on verra ce que ça signifie en détail et quelles mesures seront mises en place pour le garantir du mieux possible. On sait que le port de masques sera généralisé dans les commerces. On est bien conscient que chez l'esthéticienne ou que chez le barbier, c'est plutôt difficile de porter son masque. Alors, il faut prendre des mesures pour que le barbier porte un masque et que les précautions nécessaires soient prises. Donc, on travaille avec les fédérations, avec M. Delles, ensemble avec la santé, pour élaborer des différentes pistes. Pour ça qu'ici, on a arrêté les grands principes. Et mercredi, il y aura plus de détails parce qu'il y a toujours des discussions en cours. Pour nous, c'était important. Nous savons qu'une société ne peut pas ouvrir du jour au lendemain. Il faut dire, voilà, maintenant, on donne une semaine aux sociétés, aux entreprises, pour leur dire lesquelles sont concernées, qu'ils puissent se préparer pour s'organiser, point de vue personnel. Donc, les questions viendront mercredi, les détails. Donc, on discute aussi concernant les personnes vulnérables. Il y aura peut-être certains créneaux à organiser. Ce sont des questions pratiques qui sont en discussion. Et je pense que d'ici mercredi, je pourrai vous donner plus de détails. Une deuxième question, si vous permettez. Est-ce qu'il est prévu de faire également des tests dans différents groupes de travail, comme c'est fait à l'extérieur, qu'on prenne quelques groupes précis et qu'on teste les échantillons?
Oui, bien sûr, c'est une composante de notre stratégie de test qui accompagnera tout le déconfinement. C'est les clusters de prévalence, les tests qui permettent de tester les secteurs, secteur par secteur. Ça nous donne une vue différenciée de la présence du virus et cela nous permet. Vous savez qu'on a des grandes capacités de tests qui sont mises en place. Au cas où quelque chose est suspect, on peut tester immédiatement par la suite et on peut aller au-delà d'un échantillon. Si on prend les constructions, par exemple, on avait 2,2%, ce n'est que 4 personnes. On fera un deuxième échantillon, donc une deuxième série de tests pour voir s'il y a une progression, une évolution. Donc, nous sommes dans cette situation privilégiée que, due à notre grande capacité de test qu'on va encore agrandir, nous sommes en mesure de faire beaucoup et de opérer de manière différenciée. Bon après-midi. Deux questions pour le Tagblatt. Concernant les tests cluster prévalence, vous savez-vous quelle population va être concernée va être, par la suite, là maintenant, et s'il y a un risque, est-ce qu'il y aura plus de contrôle à l'extérieur ou pas? Quelle est la situation? Donc, en vue des nouvelles décisions qu'on vous a fait part aujourd'hui, c'est très clair dans quel secteur on va faire les tests de prévalence. C'est l'enseignement, bien entendu. Il y a déjà une première étape en mai. Et puis, bien entendu, tout le secteur du commerce. Donc ça va être un grand travail pour nous pour tester les différents échantillons. Et pour les contrôles à l'extérieur, c'est plutôt des relâchements qu'on fait maintenant plutôt que des restrictions. Mais il y a toujours cette propre responsabilité. Comme quelqu'un de libéral, vous savez, je ne veux pas être dans une société où quelqu'un me dit, voilà, mon voisin, son frère qui est venu. Donc, je ne veux pas être dans ce genre de situation. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des règles. On a des limitations, mais on peut vivre de manière un peu plus normale tout en portant sa responsabilité propre. J'espère qu'on ne doit pas constater chaque jour que la police va verbaliser encore plein de personnes parce que personne ne s'y tient aux règles. Il y a des règles, il faut s'y soumettre. Il y a l'obligation du port du masque dans certains endroits, mais il faut quand même que chacun prenne la responsabilité. Donc, il y a aussi la solidarité par rapport aux concitoyens. Et nous avons déjà prouvé que nous pouvons le faire les dernières semaines et mois. Nous pouvons compter sur les habitants de ce pays. Mais la délation, c'est vraiment quelque chose qu'on doit laisser de côté. Est-ce qu'il y a des premiers résultats de l'étude Convince? Et deuxième question, pour les tests de masse, à la mi-avril, 300 000 tests ont été achetés sans qu'il n'ait le bon label. Comment peut-on se l'expliquer? Troisième question, on a parlé de 40 millions pour acquérir ces tests. Comment ce budget est réparti? Trois questions. Donc, pour Convince, c'est un projet de recherche pour les tests qui dispose de différentes composantes. Les gens qui sont testés le savent. Il y a des tests qui constituent un test de prévalence. On regarde si on est positif ou non. On a un bilan intermédiaire. On est à 0,35% sur un échantillon de 1 800 personnes. C'est assez réconfortant. C'est relativement bas. Il y a aussi des tests sanguins. On a fait une première étape, mais on n'a pas encore tous les résultats. Donc, le premier a été fait. Et avec une certaine distance, il y a un deuxième test qui est fait. Et pour avoir ce résultat intermédiaire, il faut comparer les deux résultats les uns avec les autres. Donc, ça va durer un peu, mais c'était intéressant d'avoir le premier, là, maintenant qu'on a reçu le week-end.
Ça nous donne la première partie est donc évaluée et le résultat est de 0,35%. Puis vous avez dit 500 000 tests ont été acquis en avril, oui. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore le label, mais nous étions confiants qu'ils allaient avoir le label parce que tous les tests qu'on achète, on les teste déjà auparavant, pendant longtemps, au laboratoire de la santé. Certains tests sont retenus, d'autres pas. Ce test-ci nous a convaincus. On était persuadés qu'il allait remplir les conditions nécessaires. Donc, c'est un marché serré. On avait une fenêtre de temps très brève. Donc, on a pris la décision en commun avec le gouvernement. Et ce test, entre-temps, a reçu le marquage et a été enregistré dans ce pays. Et puis la question des 40 millions, donc la répartition. Les tests ont été achetés par l'État et le budget actuel est là pour la mise en place du projet. Vous savez, c'est un projet du Luxembourg Institute of Health. Il y a différents éléments. Il comprend la logistique, les éléments clés. C'est un package général. Donc, cet organisme-là, il est porteur de projet. Donc, le budget est pour la mise en place. Bonjour, je veux revenir aux mesures de soutien pour l'économie. Au-delà de ce qui a été annoncé, vous avez dit qu'il existe un groupe de travail composé de 6 ministres. Ça fait quelque temps qu'ils sont en discussion, c'est pour ça ma question. Il n'y a pas 100 000 possibilités. Comment soutenir les sociétés et le chômage partiel, notamment c'est la grande mesure qui probablement va devoir être continué de manière relativement facile. Pourquoi ça prend autant de temps jusqu'à ce que ce groupe de travail arrive à un résultat? Monsieur Dallès avait déjà annoncé davantage de mesures qui devraient déjà... De quoi vous avez pris des décisions? Ces simulations valaient publier ces scénarios que vous avez pris en considération et si oui, quand? Jeudi, normalement. On a demandé d'avoir un débat à la Chambre cette semaine où il y aura une déclaration qui sera faite dans le cadre de la stratégie de déconfinement. Et là, les documents seront donnés donc, avec ce genre de détails. Une question de précision, Madame Lennert, vous avez dit dans ces scénarios, si je vous ai bien compris, on prendra également en compte notre capacité de lit en soins intensifs. Dans quelle mesure il y aura cette capacité en lit intensif, en lit en soins intensifs? Combien il y en a? Quel est votre seuil? Sur combien de lits comptez-vous? Donc, sur la modélisation que nous avons, on veut rester assez avec des chiffres assez bas. C'est notre ambition. C'est autour de 40, je pense. Je ne sais pas exactement. Nous ne voulons pas aller au-delà de 90. C'est très, très élevé si on avait une grosse vague. Parce que parallèlement, nous voulons que les activités normales reprennent. On a une approche relativement prudente à cet égard. Et donc, pour les lits, essayons de rester idéalement entre 30 et 40, puisque c'est gérable. Et ça paraît d'avoir d'autres activités dans le secteur hospitalier qui pourront reprendre. Donc, les patients COVID on demande énormément de soins. Et ça fait déjà quelques semaines et maintenant, notre ambition, c'est de retourner à une certaine normalité à ce niveau ici. Donc, on veut à tout prix éviter la vague. Donc, le plafond, c'est 90, mais je ne veux pas que ce scénario entre en place et j'espère que c'est confiante, que ce ne sera pas le cas.
Donc, on a une capacité. Donc, on ne veut pas arriver à ce scénario de 90. On a la capacité de 180, mais alors on n'aurait pas le personnel. Donc, on ne pourrait pas avoir d'autres soins non plus. Donc, ce plafond, c'est faire des soins avec les personnes qualifiées. Si on avait un scénario catastrophe, alors on aurait le matériel, mais il faudrait aussi les ressources personnelles. Il faut 5 à 6 personnes pour un patient COVID, il faut le savoir. Donc, comme nous avons ouvert les autres secteurs à l'hôpital, donc il y aura aussi des ressources humaines qu'il faut pour les autres malades. Donc ces gens-là ne sont plus disponibles pour les patients COVID. Donc c'est pour ça ce scénario qui nous permet de fonctionner normalement. C'est, comme le dit Madame Lennert, elle est une quarantaine, ce qui serait gérable pour le personnel. Donc, on aurait la possibilité d'y arriver à jusqu'à 90, mais ce serait terrible pour le personnel. Et nous ne voulons pas y arriver. Et la capacité matérielle, encore une fois, c'est 180 lits. Mais on s'est donné ce niveau plafond de 90 parce qu'autrement, on ne pourrait plus accueillir les personnes dignement. Donc 90, c'est la limite maximale. On est plus sévère que ce que nous avons. Mais on préfère être précautionneux hein, plutôt que de se retrouver dans une situation où les personnes n'auraient plus d'aide du tout parce qu'on n'aurait pas les ressources humaines. Le matériel seul ne suffit pas. Je ne sais pas si je ne suis pas plus confuse maintenant. Donc 90, c'est le maximum. Oui, avec le personnel, oui. Ce n'est pas le maximum qu'on pourrait atteindre, c'est le maximum que nous posons. Nous voulons un déconfinement durable. C'est pour ça que nous nous sommes donné cette ligne. Ce n'est pas le maximum en lit, bien sûr, parce qu'on est équipé pour plus. Mais dans une approche durable, on s'est posé cette ligne rouge de 90. Parce qu'au-delà de ce chiffre, c'est très alarmant. Et c'est déjà très inconfortable si on va au-delà de 60. On souhaite une sortie durable, une sortie qui nous permette un système de santé qui retrouve le chemin vers la normalité, où il n'y a pas le patient COVID qui est à l'avant-plan à l'hôpital, mais où on respecte aussi les autres patients. Donc c'est tout très sensible, donc c'est un peu réducteur si on ne parle que des lits. On veut un système qui fonctionne au quotidien. Et si vous permettez, le 1er mai, on était ensemble à Esch, visiter le CHEM, et aussi le Centre de soins avancés. Et je veux le dire en public ici. Et je remercie ces personnes, leur motivation. Et je le dis pour les personnes de tout ce secteur. Ces personnes nous ont dit qu'ils réussissent pour l'instant grâce aux mesures qui ont été prises. Mais cette motivation qu'ils ont, ils ne vont pas la relâcher. Et on peut être très fier de toutes ces personnes qui travaillent au niveau médical. Je veux le dire parce que je l'ai senti au CSA, au CHEM. Il y a des personnes qui ont travaillé ensemble qui ne l'ont jamais fait avant. Et ils ont vraiment fusionné pour être une équipe très forte. Question pour la stratégie à large spectre que vous avez présentée l'autre fois. Il y a ces différents contingents dans la population où il est prévu de tester un contingent après l'autre. Si on teste et qu'il y a des gens qui sont positifs, on les met en quarantaine, comme c'était le cas jusqu'à présent. Les gens qui seront testés négatifs, rien ne changera. Et si l'on affirme qu'on est dans le contingent A, puis on fera le B, C, etc., à mon sens, ce serait capital que les personnes du premier contingent non infectées ne se mélangent pas avec des personnes d'autres contingents potentiels. Mais vous dites ici, on va faire un relâchement du confinement, on permet des
contact. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la stratégie de testing? Il la faut, effectivement. Oui, bien sûr, il la faut. Il y a un double aspect. D'une part, il faut identifier le plus possible de personnes identifiées, les mettre de côté et également faire le monitoring, voir où le virus est présent, où il est plus présent. Au mieux on connaît le virus, au mieux on puisse prendre des mesures dans les différents secteurs. Si l'on voit que dans un cluster, il n'y a pas de problème sur la durée, alors on pourra donc relâcher les mesures de manière différenciée. D'autre part, si on voit que le secteur est problématique et c'est confirmé par le deuxième échantillon, on sait que le problème persiste et on peut prendre des mesures de manière plus renforcée. Mais faire une séparation, ce n'est pas réaliste. Ça ne nous permet pas de fonctionner. Il faut avoir une vue granulaire qui nous permette où est le virus dans ce pays et d'avoir une vue différenciée. Si on restait uniquement dans la logique Convince, on aurait l'indicateur général de la population. Mais nous testons segment par segment. Ça peut être sectoriel au niveau professionnel. Mais aussi, nous travaillons par exemple à large échelle aux maisons de soins, aux maisons de repos, chez des personnes très exposées. Donc on regarde de manière beaucoup plus systématique. Donc il y a plusieurs manières de prioriser les mesures de test. Mais c'est basé sur les connaissances sur les expériences par échantillon. Donc on verra alors les endroits où il y a une suspicion. Il n'y a pas une garantie à 100%, mais c'est un bon outil pour identifier les cas positifs et les isoler et de mieux comprendre le virus. Avez-vous vu maintenant une vue différente au projet par rapport à la semaine dernière? Parce que moi, j'avais compris comme si on allait maintenir le confinement par contingent pour que le test puisse fonctionner. J'ai l'impression maintenant que ce ne soit pas en adéquation avec le relâchement maintenant. Non, ce n'est pas comme ça que je l'ai compris. Donc, il était toujours prévu de faire des testings différenciés pour avoir différentes vues. Dans ma tête, il n'y avait jamais cette idée qu'il fallait séparer les clusters. Je pense que ça doit être une formulation qui a été interprétée de cette manière. On n'a pas encore parlé du télétravail. Quelle est votre recommandation à ce niveau? Là où c'est possible, ça doit continuer. Mais on va dans les administrations publiques, peu à peu, arriver à la normalité. Mais là où le télétravail est possible, il va falloir le maintenir pendant les semaines à venir. Et ça compte encore plus pour le secteur privé. Là, il faut voir avec les dispositions des pays avoisinants. Il faut voir dans combien de jours une personne des régions frontalières peut travailler ici à Luxembourg. Mais pour le moment, c'est le meilleur social distancing qu'on puisse avoir au niveau des bureaux. Donc ça, c'est une mesure. Et pas plus tard que ce matin, on a décidé, et je vous ai dit, donc il faut tenir à l'œil ces chiffres. On a créé un groupe de travail pour le cas où il fallait reprendre des nouvelles mesures. Donc, suivant l'évolution du virus à Luxembourg. Donc ça va dans une direction et dans l'autre. Je remarque au téléphone que les gens ne comprennent pas bien les mesures de déconfinement. Donc je veux encore dire, donc 6 personnes chez soi, est-ce que ça veut dire 6 personnes étrangères peuvent venir au ménage, près du ménage? Ou alors les 20 personnes à l'extérieur, est-ce que vous pouvez l'expliquer en détail? Parce que ça ne semble pas être aussi clair que ça, ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Est-ce que ce sont toujours les 6 mêmes personnes quand se compose un nouveau cercle social? Donc le but, si on dit 6, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'inviter 6 personnes. Le but est qu'on peut de nouveau avoir des contacts sociaux. Ça veut dire
on doit regarder ce qu'on peut recommander et ce qui est légal. Le rester à la maison n'est plus le même que hier. Il n'est plus d'actualité, mais il y a des recommandations que nous donnons aux gens. Il ne s'agit pas de se rassembler à six. Il ne faut pas absolument inviter six personnes tous les jours. Le but est de pouvoir de nouveau nouer des contacts sociaux. Mais nous savons que ces contacts sociaux n'ont plus la rigueur. Vous savez, quand on est par exemple chez quelqu'un, on a un dîner, on dit est-ce qu'on peut aller à la cuisine, on peut aider à la débarrasser, on va fumer une cigarette. C'est tout ce qu'on fait, vous savez, à ce moment-là, on risque de ne plus respecter la distanciation sociale. Et c'est pour ça qu'on veut limiter les choses et non pas interdire. Il y a des personnes qui l'ont déjà fait. La police a eu des coups de fil. Et ce n'est pas dans un tel pays que je veux être Premier ministre. Il s'agit de porter sa propre responsabilité. Et si vous avez 20 personnes, par exemple, si après l'école, vous voulez aller avec votre classe à la Königswies, alors maintenez vos 2 mètres. Mais le droit de manifestation, l'interdiction est levée. Donc si vous voulez, pour le moment, pour le moment, on ne peut pas manifester. C'est une limitation grave. Donc c'est pour ça qu'on dit, on peut aller jusqu'à 20 personnes. Je sais que c'est limité. Mais on veut que ce soit, on veut éviter que ce soit utilisé pour faire d'autres événements. Donc on limite au plus, au maximum, trop de rassemblements. Vous pouvez donc recevoir 6 personnes, pas plus. Vous avez demandé est-ce que c'est toujours les mêmes ou pas. Ce serait mieux que ce soit toujours les mêmes. Mais comment vous voulez imposer que ça devrait toujours être les mêmes et comment le prouver? Donc ici, encore une fois, responsabilité propre. C'est ça le succès à la base du déconfinement. Si vous pensez que vous devez inviter tous les jours 6 personnes le midi et le soir, soyez conscient que ne devenez pas un facteur multiplicateur du virus. Agissez de manière responsable. N'organisez pas un super grand barbecue. Ayez des contacts importants parce que nous savons qu'il y a un impact psychologique si on est tout à fait isolé. Donc, vos amis les plus proches, votre famille, vous pouvez les voir. 6 personnes en plus des personnes faisant partie du ménage. Et ceci, ça peut être les mêmes personnes la fois d'après, tant mieux. Mais on ne peut pas l'interdire de manière légale. Donc, donner la date du 1er juin pour une réouverture possible du secteur de l'Oresca. Est-ce que ce serait aussi le cas pour les commerces que vous venez d'énumérer, le fitness, les écoles de danse ou d'autres sortes d'équipes, de sport en équipe? Est-ce que ce serait une date possible pour ouvrir ce genre de secteur? Il y a des modélisations qui doivent être faites. Pour vous dire maintenant, ce qui peut s'ouvrir le 1er juin, c'est irresponsable. On aimerait le faire, mais on ne veut pas maintenir les choses fermées sans aucun but. L'idée est d'ouvrir petit à petit, mais sans aucun risque. On vient de prendre des mesures, sachant que c'est conciliable avec la situation. Mais vous savez, Madame Lénaert fait attention à tout et elle tient compte du risque. Et on reçoit des modélisations de l'université. Donc si on avait également ouvert un autre secteur maintenant, le risque aurait été grand que d'ici 15 jours, on n'y arriverait pas. Donc en plus, vous savez, le risque le plus important, c'est lors des contacts sociaux. Donc une fois que ces mesures vont être mises en place, on pourra observer sur les semaines à venir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas. Si on travaille de manière très disciplinée, on aura une nouvelle base pour aller de l'avant. Donc, il vaut mieux nous donner le temps pour travailler à notre propre comportement. Le reste, c'est de la théorie. Donner un planning à l'avance, ça sonne bien, mais c'est très théorique. Je pense qu'il vaut mieux attendre les mesures, quel est l'impact des mesures, si ça change quelque chose ou pas. Nous avons un équilibre pour le moment et je sais qu'on a besoin des contacts sociaux, mais c'est là où le risque est le plus élevé. Donc, on doit voir comment on va pouvoir gérer ce risque compte tenu de notre autodiscipline. Est-ce qu'on va ne pas faire remonter les chiffres? Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, y aura-t-il de nouvelles infections ou pas? Ne pouvons pas le savoir à l'heure actuelle. Notre propre comportement nous montrera quelle sera la possibilité à l'avenir. Donc, c'est ça notre approche. Si on nous avait posé la question il y a 15 jours, on n'aurait pas pu dire qu'on allait aller aussi loin qu'aujourd'hui. C'est uniquement été possible parce que nous avons travaillé sur les expériences et qu'on a attendu les résultats des premières mesures. On vous remercie.